Nous sommes ravis de vous retrouver sur la CRTV, il est 12h à Yaoundé. Madame, Monsieur, bienvenue au journal. Hello Emmanuela. Good afternoon, Nicole. Vous avez les titres du journal. How often have you stretched your hands to give assistance to a child enjoy his or her rights, even if this kid is not yours? If this thought hasn't crossed your mind, then you have every reason to today. Cameroon, in unison with the African continent, is observing the 30th edition of the Day of the African Child. Focus on today's edition is on the rights of children in society, especially in those in high-risk zones, with no means of assistance. The Minister of Social Affairs, Pauline Irengene, is at the moment granting her press conference to this effect. Our reporters, Joy Stata and Marlies Enoambaga, shall be joining us in the course of this newscast with updates. Our guest on this edition of the news is Jean-Marie Louis. He is the Director General of the Small and Medium-Sized Enterprise Promotion Agency. He shall be talking or shedding more light on the Protofund project, which is a new project to finance startups in Cameroon. And our feature page, if you are ready for a touristic afternoon this evening, then stick around with our feature page when we take you to Ndamokok, Port of Stones, a touristic site here in Emana in the Yaoundé 1 municipality. The adventure shows a blend of nature and art. Please make sure you put on the right shoes to climb the slopes as well as the cliffs of Ndamokok. The news begins in a while, but first, the spreader. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue à tous. C'est parti pour une demi-heure d'informations bilingues sur la CRTV. Et nous ouvrons avec l'actualité de la célébration de la Journée de l'enfant africain ce mardi 16 juin. L'édition 2020 a pour thème l'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, tient en ce moment même un point de presse à Yaoundé pour marquer l'événement. Les détails avec Marlies Enoambaga depuis le ministère des Affaires sociales à Yaoundé. Bonjour Dodo Nicole, Madame, Messieurs, bienvenue ici à la salle de conférence du ministère des Affaires sociales. Ce 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. En raison du contexte actuel marqué par le Covid-19, il n'y aura pas de célébration cette année, mais tout au moins une communication faite par le ministre en charge des Affaires sociales au Cameroun, Pauline Irène Nguéné. Et pour cela, Madame le ministre des Affaires sociales a tenu pour marquer cet important événement, échanger avec les hommes et femmes de la presse et même avec l'opinion publique au cours d'un point de presse sur le thème retenu à cet effet qui est, on le rappelle, l'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. La justice adaptée aux enfants africains renvoie au système judiciaire, à l'assistance juridique et même aux mesures alternatives, entre autres. Pauline Irène Nguéné s'attardera également sur les actions menées par son département ministériel pour l'épanouissement des enfants. Voilà donc tout un mot de ce que l'on peut retenir ici au ministère des Affaires sociales. Vous aurez certainement plus de détails au cours des prochaines informations. Depuis le ministère des Affaires sociales, pour le 12h, je suis Marlies Enoambaga. Merci Marlies Enoambaga pour ces détails. L'avenir de l'enfant africain dans au centre des attentions ce mardi 16 juin 2020 au Cameroun. Action très remarquable du gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires sociales pour l'encadrement des mineurs. Arrêt ce midi au centre d'accueil, d'observation et de rééducation de Bépanda à Douala dans le littoral. Là-bas, tout est mis en œuvre pour la protection des enfants mineurs contre le coronavirus. Chris Patricia Lulouga pour les détails. Tous les enfants ont des droits, quelles que soient leurs conditions sociales. Pour les enfants vulnérables, l'État a aménagé un cadre pour leur épanouissement. Les centres sociaux récupèrent les enfants dans la rue
et adresse les dossiers au niveau de la délégation départementale qui fait le placement administratif. Il y a un second placement que nous appelons un placement judiciaire. Ce placement se fait par les autorités judiciaires qui, eux, par ordonnance, ils peuvent placer un enfant dans notre institution. Ici, les enfants ont l'opportunité de recevoir des enseignements et surtout d'apprendre un métier. Un tel menu ne peut donner que satisfaction. J'aime cette place parce que ça m'améliore de augmenter encore ma sagesse. Ici, ça, au centre, tout ce qu'on me fait, ça me plaît parce que je pars à l'école. Quand on ne peut pas partir à l'école, nous avons pour faire la formation. Respecter les mesures de prévention, c'est la règle d'or parmi les pensionnaires du centre d'accueil, d'observation et de rééducation de Bépanda en cette période de crise sanitaire. The well-being of the African child, especially the ability to access justice for those kids in high-risk zones, is at the center of celebrations in Yaoundé as Cameroon in unison with the African continent marks the 30th edition of the African Day. The day focuses on the promotion of the rights of children, like the rights to education, shelter, food, and more. Joyce Tata now joins us from the Ministry of Social Affairs, where a press conference to this effect is being granted. Hello, Joyce. What are you hearing and hearing? Good day, studio. That's right. Today, the international community celebrates the African child, a commemoration which needs to take place regardless of the current health situation, even though reserved for few personnel at the Ministry of Social Affairs. Its partners and media men and women are present here for a press briefing, currently presided over by Minister Pauline Irengene. Just a summary of the event, it is a medium through which government and its partners will be presenting strategies and actions to ensure a better protection of children implicated in the judicial system. Secondly, they will be identifying mechanisms of promotion and protection of children implicated in the informal and the traditional justice system at the local level. These are the specific objectives of the 30th edition of the Day of the African Child, which authorities believe will help speed up access to a judicial system adapted to children in Africa. Now, it may interest you to know justice adapted to children refers to the judicial system, legal assistance, and the protection of the vulnerable category and more. We will be bringing you more information in our subsequent newscast as you honor us by being our televiewers. Reporting from the corridors of the Ministry of Social Affairs, I am Joyce Tata in Yaoundé. Thank you very much, Joyce Tata. We now take you over to the North region, where the junior parliament members of parliament in that part of the country have been sensitizing pupils in school establishments in Garowa on the dangers of the coronavirus and how to roll back the pandemic in the school milieu. The exercise is part of activities to mark the 30th edition of the Day of the African Child. Wilson Mingole was with them and our report. Junior MPs in the North region, accompanied by officials of the North Regional Delegation of Social Affairs, have been educating primary school pupils on the need to keep respecting hygiene and sanitation rules as a means to halt the spread of the coronavirus. The sensitization campaign comes on the eve of the commemoration of the 30th edition of the Day of the African Child. Lavage de mains régulier avec de l'eau propre. The regular washing of hands with soap. Ou les frictionner. The application of hand sanitizers. Social distancing should be mandatory, and the constant wearing of face masks. Le nez lorsqu'on veut éternuer. Officials of the North Regional Delegation of Social Affairs have equally been raising awareness on national and international legal instruments for the protection of children. The state has put all necessary measures at the judicial level and the penal code. There are laws that protect the child. I'm calling on the public,
Let's respect the rights of the child. Un droit de regard par rapport à la justice de l'enfant. It's worth mentioning that this year's theme for the Day of the African Child is access to social justice system adapted to children in Africa. Some children or school establishments in Gumo in the center region have benefited anti-COVID-19 kits to help shield them from the spread of the pandemic in the school milieu. The gifts from the third class chief of Ngumo, Charles Atanganamanda, was witnessed by our reporter, Alice Mbi. These kits consist of cartons of face masks, soaps, water gallons, and hand sanitizers. They were handed over to the Jufen school authorities and church leaders in the Ngumo subdivision by the authorities of this locality. I support to the Etenga peoples in order to help each of them to protect themselves against the coronavirus. They expressed satisfaction receiving these gifts. Un grand merci à Sa Majesté. We say thanks to His Majesty Charles Atanganamanda, who has offered us sanitary kits. We will give one face mask to each of the students. This gift will help us to continue practicing hygiene measures and to fight against the COVID-19 pandemic. The mayor of Ngumo, Jean-Baptiste Anvuna Atemenge, called on the population to make good use of these materials while respecting government's measures to fight against the COVID-19 pandemic. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Des dons anti-COVID-19 au peuple Etenga de Nkolmessi par Ngumu dans la région du centre. Sa Majesté Charles Atanganamanda menait l'opération Un habitat, un masque. L'action de solidarité de l'autorité traditionnelle vise la protection des populations contre cette pandémie mondiale. Les détails avec José Gaëtan Changa. Jour de marché en Nkolmessi, les règles de distanciation et le port du masque sont au repos. Pourtant, le Covid-19, lui, ne sommeille pas. L'opération Un habitant, un masque, conduite par Sa Majesté Charles Atanganamanda, vise à conscientiser les populations de cette zone rurale sur les dangers du Covid-19. Le président de la République a appelé à l'union sacrée de la nation entière. Il a appelé les forces vives de la République à faire front et face contre l'ennemi commun qu'est le coronavirus. Je suis venu sur mes terres ici dire aux miens que le chef de l'État tient à leur vie, aux vies de chaque membre de la communauté Etenga. Des masques, cartons de savon, seaux leur sont distribués pour barrer la voie au Covid-19. Nous lui disons tout simplement merci. Nous espérons qu'avec cela, nous allons continuer à renforcer les mesures barrières. Les différents chefs de bloc et d'établissement qui ont reçu des packages ont été invités à distribuer ces produits barrières sans discrimination. Dans la région du Sud, la Fondation Georges Weah se déploie en milieu rural pour une croisade contre le COVID-19. L'équipe conduite par le président du mouvement Stéphane Ndezoum était dimanche dernier à Mbamiyevol. C'est un village situé près de la ville de Bolova. Descente sur le terrain pour une sensibilisation des populations, une remise des dons. Anissé Siester et Sian, du CRTV Sud. Reportage. L'exercice était fastidieux, mais nécessaire pour la lutte contre la pandémie du siècle. De maison à maison, Stéphane Ndezoum a parcouru le village en Vamievo, dire aux populations combien le coronavirus est dangereux. Lorsqu'une menace est planétaire, lorsqu'une menace est nationale, il nous revient à nous de la société civile de sensibiliser les populations. Nous pensons que l'habitant de Mekin, celui de Mvele, celui même de Meyomessala, a besoin de connaître qu'il y a une menace qui peut raser tout un village en une fraction de seconde. Des mots adaptés au contexte sanitaire actuel, mais aussi du matériel de protection et hygiénique. Du savon, des bidons assortis des robinets, cache-nez et de nombreuses affiches pour prolonger la sensibilisation dans ce village de près de 500 âmes. Mon sentiment est un sentiment d'homme, d'un chef heureux. Le coronavirus ne passera pas à Oulem à travers la mesure barrière que la Fondation Georges Weah nous a apportée. Créée en 2016, la Fondation Georges Weah se positionne de plus en plus au Cameroun comme étant le bras séculier de l'État. Cette campagne de sensibilisation programmée pour couvrir une grande partie des villages de la région du Sud est une preuve s'il en était encore besoin.
you're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. If there is one thing that has got tongues wagging around the coronavirus pandemic, then it is the way those who die of the disease are buried. Many have expressed dissatisfaction to the fact that the burial of such victims within short notice leaves the families with little or no time to prepare in respect to religious and cultural norms. But what exactly are the prescriptions of the National Scientific Advisory Council? In line with this, Cynthia Saptala attempts an answer. It is often a hard pill to swallow, that of losing a loved one. For a majority of families who have lost someone to COVID-19, the management of bodies and the rapidity at which it is done makes the grieving process even harder. If somebody is in town and he dies, the tradition that has been there for 30 to 40 years now is that he's kept in a mortuary, and then they prepare, they have to look for resources because he has to be transferred to his village. When you are burying, the family is there, and then they talk over your corpses and pick soil and throw. That's their own way they have buried you. This with COVID-19 does not happen. But according to health experts, in the wake of this novel coronavirus, where research is still ongoing, the safety of the public has been of top priority. So in order to reconcile religious norms, also highlighted in WHO's Guide for the Safe Management of Dead Bodies in the Context of COVID-19, Cameroon's Scientific Advisory Council adopted a new protocol in which one of the recommendations now grant families 48 hours to bury those deceased from the virus. Taking into consideration the texts which are available in our country, especially the decree of 1974, that regulates the way burial should be done, especially when you have you die of a contagious disease. The council therefore recommended that people should be given 48 hours, but the burial must take place within the town where the death occurs. But the person can be buried in a family plot if it is available within that town. The burial must be supervised by the medical health authorities and the council. Family members who are around should respect the precautions, but they are free to do whatever religious services they want to do, whatever traditions they want to do. It is a change anthropologists say will gradually become the new norm because of the way the novel coronavirus has impacted, maybe forever, the way of life of Cameroonians. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Official competitive as well as end-of-year examinations will run in Cameroon from July 1 to August 25, 2020. The information is contained in a communique signed by the ministers in charge of education in Cameroon due to the adjustment of the school calendar as a result of the outbreak of the coronavirus. Gerard Nanji has more. A communique from the Ministry of Basic Education schedules the common entrance examinations for Tuesday 21st to Wednesday 22nd July, while the Certificat d'Etudes Premières, the French language equivalent, will be written on Tuesday 30th July 2020. The same source says that the first school leaving certificate examination and the first year technical examination will be written on June 30, 2020. For the professional and industrial diploma in technical and professional education, the practical sessions are programmed on Monday 3 to Saturday, August 8, while the written phase runs from Wednesday 27 to Friday 31 July 2020. The certificate of technical and commercial education will be written from Monday, July 27 to Tuesday, August 4.
General Education Baccalaureate Oral Session, July 20, and Practical is on Tuesday 28 to Friday 31st July for E and TI series. The written examination is scheduled for Tuesday 21 to Friday, August 24. Technical and industrial probatoires and practicals take place on July 27 to August 1. The written phase will be from 20 to 24 July. The General Education Probatoire Oral Examination, Friday, July 31, for the ABI and ICT series. The written session comes up on August 3 to August 7. The GCE Ordinary and Advanced Level Schedules Practical on Monday, July 20 to August 5. Written sessions, Thursday, August 6 to 25. In higher education, the Higher National Diploma, the HND, and the Higher Professional Diploma, HPD, begin running from Monday, July 20 to Saturday, July 25, 2020. The different examinations will be organized in strict respect of the preventive measures against COVID-19. Dans la suite du journal, c'est une nouveauté dans le monde de l'entreprise au Cameroun. Une ligne de financement d'un montant total de 50 millions de francs CFA est ouverte au bénéfice des start-up et des PME spécialisées dans le Made in Cameroun. Ces financements portent le nom de Protofonds, découvrant deux projets innovants portés par les jeunes à ce propos. Il s'agit de Yaopé et Easy Learning. Barbara Pajama. On fonce vers ses rêves, mais ce n'est pas la porte à côté. Depuis un an avec ses camarades, il fait des enjambées pour se faire une place sur le marché de l'emploi. Dans son sac, deux projets innovants conçus avec quatre autres jeunes start-upers comme lui, les All Shadows Technologies. Nous avons deux projets et cette plateforme a été conçue spécialement pour permettre aux parents d'avoir un suivi sur les enfants. Et il y aura des notifications qui seront envoyées, par exemple les heures de début et de fin de certains examens et aussi pour connaître exactement le programme scolaire. Le deuxième projet qui sera soumis, ce sera le projet de Brin. Brin, qui est un bracelet intelligent pour le suivi des cycles menstruels chez la femme. En effet, nous sommes rendus compte que les femmes ont soit des problèmes de conception, soit des problèmes dus à la production des différentes phases des cycles menstruels. Easy Learning cible la grande communauté estudiantine et le bracelet intelligent règle le planning familial. Pour le premier, le devis est déjà formulé pour se lancer. Nous demandons 10 millions pour être accompagnés dans le projet de Easy Learning. Ces 10 millions de francs CFA de financement serviront à la location d'équipements et aussi le côté hébergement. Il va aussi falloir intervenir sur le côté marketing, ce qui est vraiment très important pour la communication, pour que les gens puissent avoir connaissance du projet. Et il y a aussi les paiements de salaire qui vont intervenir. D'autres jeunes entrepreneurs sont aussi en quête du Saint Graal. Ceux-ci ont de quoi payer cash. Le projet Yadopé mise sur une cagnotte plus conséquente. 300 millions de francs CFA, des liquidités pour payer la circulation des pièces de monnaie. Face au problème de monnaie que nous observons sur toute l'étendue du territoire, c'est l'usager camerounais, c'est le citoyen, ce sont les commerçants qui se trouvent impactés. Et raréfier le contact physique. Face aux propositions, le gouvernement est tout ouï. Nous sommes toujours en quête pour pouvoir finaliser cela. On n'a pas encore eu de réponse actuellement. Des gadgets ou des applications, les jeunes en ont plein la tête. Pour projeter l'avenir. À la suite de ce reportage de Barbara Pajama, nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, Jean-Marie Louis Badga occupe le fauteuil de l'invité du 12h ce mardi sur la CRTV. Le directeur général de l'Agence des petites et moyennes entreprises APME donne dans les secondes qui suivent des explications sur les financements Protofonds lancés à Yaoundé au bénéfice, nous l'avons dit, des start-up et des PME. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, Nicole. Alors, nous sommes ravis de vous avoir en direct sur ce plateau. Vous venez de voir dans le reportage de Barbara Pajama des start-up, deux projets innovants, captivants. Alors, ces jeunes sont-ils éligibles au projet? Bien sûr. C'est pour eux que nous avons conçu ce projet parce que nous accompagnons depuis quelques années des jeunes et nous étions butés à les accompagner à matérialiser leur projet, avoir la preuve du concept pour pouvoir avancer dans la recherche du financement. Donc, ils sont éligibles. Alors, c'est une grande première dans le monde de l'entreprise au Cameroun. Une ligne de financement de 50 millions ouverte pour le développement des start-up et PME spécialisées dans le Made in Cameroun. Monsieur le directeur général, comment ça va se passer concrètement? D'abord, il faut dire que c'est une manière simple et ciblée
pour booster la créativité de nos jeunes et accompagner les PME à plus d'innovation pour renforcer leur compétitivité. Le projet a été lancé hier, le ministre des PME était au front. Il y aura une sélection qui va se passer à deux niveaux, parce que pendant 30 jours, les jeunes vont soumettre leur projet. Il y a un jury de premier niveau qui va sélectionner les 50 meilleurs et il y aura un jury de grand niveau où il y aura un pitch et où les 20 lauréats seront retenus. Mais il faut dire que tous ceux qui entreront dans ce processus seront suivis. Tous ces jeunes qui, même ceux qui ne seront pas de grands lauréats pour tout à l'heure, nous allons les accompagner à mieux faire parce que pour nous, c'est un gage de la vitalité de notre économie. Alors, le dépôt des candidatures ? En ligne. Uniquement ? Avec, oui, pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont dans leur pays, nous avons des antennes dans toutes les régions, surtout les centres de formalité de création d'entreprises. Mais nous souhaitons que tout cela se passe en ligne parce que le premier jury va travailler en ligne pour avoir les 50 meilleurs. Bonne nouvelle. Alors, les jeunes Camerounais ne tarissent pas d'imagination dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Monsieur le directeur général, vous l'avez vu tout à l'heure, les start-up abondent dans le domaine de recherche. Les jeunes se lancent dans ces activités-là. Alors, quel est l'impact de ce projet Protofonds sur les PME au Cameroun? Une économie a besoin de vitalité. Et la vitalité, c'est l'innovation. Il y a des pays comme le Japon où le cycle d'innovation, c'est 3 ans. Si vous ne créez pas, vous êtes appelé à sortir du marché. Aujourd'hui, nous vivons une période difficile avec cette pandémie et la résilience de nos PME est mise à épreuve. Donc, il faut innover, il faut s'adapter, il faut créer. Et c'est là le rôle de nos jeunes. C'est pour ça que nous mettons cet accent sur ce prototypage, parce que les jeunes créés aujourd'hui peuvent aider beaucoup d'entreprises à avoir des produits nouveaux, parce que la plupart de ces innovations créées par des jeunes peuvent être exploitées par de grandes industries, par de grandes entreprises. Donc, comme disait ce jeune qui a besoin d'argent, il peut être accompagné, il peut avoir ici un soutien, il peut être récupéré par une entreprise qui a besoin de pouvoir innover dans son entreprise. Alors, c'est une question d'argent, monsieur le directeur général. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un montant, du montant total de ces fonds pour les 3 prochaines années? D'abord, pour cette année, le ministre l'a annoncé hier. Le chef de l'État a mis 50 millions. Nous avons fait un appel à un partenaire qui se signale déjà. Deuxième, troisième année, je crois que ce sera plus que ça. Parce que c'est une année test pour voir déjà l'engouement des jeunes et des entreprises. Et des partenaires sont à l'affût pour voir. Et il est peut-être pour moi prématuré de dire ce que 2021 nous réserve. Mais je sais que c'est un processus d'accompagnement qui est très important. Et déjà, il y a des directeurs généraux de banques qui sont très intéressés et beaucoup de partenaires parce que c'est la preuve de la vitalité de notre économie. C'est un coup d'accélérateur au processus d'industrialisation annoncé par le chef de l'État. Monsieur le directeur général, avant de nous séparer, vous tenez là un document pour la communication. Vous pouvez le présenter. Il n'est pas encore finalisé. Merci, monsieur le directeur général, d'être passé sur ce plateau pour nous donner donc des explications sur le financement Protofonds lancé hier à Yaoundé. Restez avec nous sur ce plateau. Merci. Emmanuela, vous avez la suite du journal. Exactly, Nicole. And we stay in Monatele in the center region where fire has consumed part of the newly constructed Monatele Council building. Though no human life was lost during the sad incident, the officials of the council have decried a lot of material damage. Details with Gertrude Asongazi of CRTV Center. It was around 10:30 a.m. Sunday morning that Monatele was greeted by a huge fire ravaging part of the new council building, which was supposed to be officially handed over to FECOM this Tuesday. This one is a conference hall that was burned with the equipment, all the equipment that were bought already to make sure that as soon as the reception of the work will be done, we'll be installed without any problem. We have the chair, table, computer, carpet,
and many other things. Though there was no loss of human life, office equipment worth over 80 million CFA francs have been burnt down. Fortunately, the population has been able to stop the fire before it reaches the main building. And an inquiry, investigations are being made by the Commissioner of Public Security. To meet the mayor and tell him that he's not all alone, we are with him. And when he, after the management on this dramatic situation, we shall try to see together what we can do for him as in my capacity of elite. Meantime, legal and security authorities of Monatele are carrying out investigations to know the exact cause of the fire incident. The weather is just the best in Yaoundé for a touristic showdown. Let's now take you to the Port of Stones, Ndamukok, a touristic site here in Emana in the Yaoundé 1 subdivision. The site has been made ready by a group of Cameroonians and show a blend of nature and art. Please ensure you put on the shoes which are required or which will withstand the slopes and cliffs leading to Ndamukok on our feature pitch. Into the Yeye Mountains they go on a terrain not very friendly. The walk is long through the slopes. A third foot is sought to help on such a muddy and slippy path. 5 kilometers and Ndamukok welcomes her guests. The adventure has been worth it. A true house of stones it is, some with a touch of culture as others wear the national colors. The little tourist gets chilled from the cold as his friend dozes off in the freshness of nature. The guests now settle. The cultural display can now begin. 2 years of joint efforts from a dozen of youths yearning to promote what Cameroon is made of culturally and touristic-wise has given birth to this. All the work has been done with hands. Through this cultural village, what we want to show to the world is rich cultural heritage we have here in Africa and in Cameroon, Africa in miniature to be precise, and the beauty of nature, and for once to valorize our country too, through tourism, culture, just selling our image out. A home for others, a market of diverse cultural articles for some, and a sip in the night cup is unavoidable. I didn't really know what I was getting myself into. I just kind of joined along with my friends. But after a while, rather than it just being like a hangout, it felt almost like an artistic pilgrimage to this wonderful place here. Well, I got to see where art is part of nature. A true return to the roots for these first visitors of Ndamukok, cultural and touristic village, and so shall it be to fulfill its objectives. Et voilà, déballé le package du 12 de ce 16 juin 2020 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Excellente journée, Emmanuela. See you tomorrow, Nicole. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Don't forget to keep safe. Coronavirus is real. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
CRTV News, ici, toute l'info.